Hello viewers, good evening. Thanks for watching tonight's primetime bilingual newscast on Spectrum Television. Our top stories, it is back to school season and government is more than ready for the new school year to unfold its sleeves. This has been the punchline of government's communication as a preparative scheme has fully been discussed. The drop the chalk microphone has also been talked and teachers' issues been addressed, as well as the security concerns of the Northwest and Southwest regions tabled. A roundup of everything back to school in this newscast. We also talk elections Cameroon, as it says there is a mad rush for inscriptions few hours to the official close of the electoral revisions. Official reports say over 40,000 persons are knocking the doors for inscriptions, with a landslide difference of about 7 million people. Ines Pangang details to us in this newscast what is happening at the end of the day. Hello viewers, thanks for watching tonight's primetime bilingual newscast on Spectrum Television. We talk government's approach towards the back to school in the French language with Dipita Tongo. Good evening, Dipita. Bonsoir, Joséphine Bindi. Madame, Monsieur, bonsoir. Votre formidable fidélité nous honore. Vous l'avez dit, Joséphine, le gouvernement se dit donc serein quant à la reprise des cours. Lundi prochain, c'est le 5 septembre, et ceci malgré le mot d'ordre de grève initié par un certain nombre de syndicats de défense des droits des enseignants. C'est du moins ce qu'il faut retenir de la communication gouvernementale qui s'est tenue hier mardi au ministère de la Communication. Au menu donc, les préparatifs de la rentrée, la situation des enseignants et la situation au nord-ouest et au sud-ouest. Olivier Bouziqueux et Frédéric Fomme nous en disent davantage. Face aux menaces de reprise de la grève des enseignants, le gouvernement fait le point de l'exécution des instructions du chef de l'État pour répondre à toutes les revendications. La mise en œuvre de ces mesures par les différents départements ministériels concernés a notamment permis à date la prise en charge financière de tous les enseignants du secondaire, encore sous le principe des deux tiers d'une part, et l'attribution de l'indemnité de logement à tout le personnel du ministère des enseignements secondaires qui n'en bénéficiait pas d'autre part, pour un coût mensuel de 1,5 milliard de francs CFA chaque mois, et ce depuis le mois de mars 2022. Sauf que la majeure partie des revendications des enseignants sont d'ordre financier. Les caisses de l'État ne peuvent pas soutenir d'un coup toutes les doléances. On parle de recrutement massif des instituteurs d'enseignement technique déjà formés. Imaginez qu'il soit 40 000 au jour. Vous voyez l'État à ce jour en train de recruter 40 000 personnes d'un seul coup. C'est pourquoi je voudrais rappeler et relever que les recrutements dans la fonction publique de l'État sont soumis à la double condition d'une expression préalable des besoins par les administrations et la confirmation de la soutenabilité budgétaire et relative. Parce qu'il serait irresponsable, totalement irresponsable, de la part du gouvernement de recruter et de ne pas pouvoir être capable de payer dans 3 mois. Outre les problèmes des enseignants, les ministres en charge de l'éducation sont également préoccupés par une éventuelle résurgence des écoles communautaires créées par les sécessionnistes dans le nord-ouest et le sud-ouest. Nous avons noté 12 écoles communautaires étaient implantées dans l'arrondissement de Bangui au sud-ouest, 6 dans l'arrondissement de Koubatois, et que ces écoles étaient soutenues non seulement par les forces de séparation, les sécessionnistes, comme on les appelle, mais également certaines personnes qui, par peur des représailles des sécessionnistes, étaient obligés de mettre leurs écoles privées à ce service, soutenues dans une certaine mesure par quelques ONG qui ont été formellement identifiées et dont les agissements ont été communiqués aux autorités compétentes. Je puis dire qu'au jour d'aujourd'hui, le phénomène a été pratiquement éradiqué.
Malgré cette crise sécuritaire et les menaces de grève des enseignants, le gouvernement est serein quant au lancement effectif de la rentrée scolaire le 5 septembre dans les 10 régions. Still in line with government's approach towards the back-to-school season, the Minister of Secondary Education, Professor Naluva Liunga, has addressed the lapses of the just-ended school year and prepares the minds of students and teachers ahead of the 2022-2023 school year, one of which is digitalization and also building a solar system to fulfill a safe school system. We propose you listen to her excerpt in the seconds that follow. When you have digitalization, what kind of teacher are you expecting to have when you have digitalization? We asked certain instruments in this hour of digitalization. And so, the head of state has given us some means. It's only some. It can only increase as the year goes on. That is to say, a solar system, build a solar system, and get all the schools, if possible, that is what we shall be looking for. All the schools, if possible, each school to have a solar system so that they can fulfill what we call a safe school system. Because we are getting into a system where you can hear a gunshot at any time. You can get up and get your school, you hear that your school is burnt. At any time. You can get fire at any time. What do you do with the students who are in the classroom? Do you go just get up and run in the center? So, dear colleagues, dear media men and women, we are ready. We are ready for your children. Let the children come. We are ready to have a safe school. Let us run a safe school. Union in Cameroon in the primary and secondary education sectors have unilaterally called on a strike action as from Monday, the 5th of September to the 9th. Oni Ladonet in the following report tells us how this will unfold. Uncertainty looms over the forthcoming school year as teachers announce a strike action. The different teachers' trade union in Cameroon have unanimously called on primary and secondary school educators to strike after government's lukewarm reply to their plight in their last meeting on August 24. We are taking into account government's response in our last meeting on August 24. That day, we were reminded that the state had fulfilled their promise for over 85%. This was supported by other teachers' trade unions invited in the meeting. These trade unions had not deposited any notice of a strike order. From this, collectively, we agreed to launch our strike action, scheduled for next week Monday. This strike will see tutors answer present in schools without teaching. This strike will see teachers resume work in their different schools, even those transferred to another establishment. They will take part in all general assemblies, participate in their council sessions in the various divisions, and will also be present in school campus as of September 5 to 9, while respecting the strike action as it was done last school year. According to the strike notice released in this regard, school will return to normalcy if and only if government hearkens to their cry. L'adoption et de la mise en application du statut spécial des enseignants dans un délai relativement très Our demands are simple. The adoption and application of the teacher's special status in a short period of time. On the other hand, pay teachers their dues, worth over 181 billion CFA francs in the shortest deadline possible. Automation of Teachers' Career Act, massive recruitment of teachers for the technical department. Pallier au manque d'enseignants que nous avons dans nos
différents établissements techniques. The situation may persist if nothing is done. Portions of the strike action might be demanding as the school year unfolds. That is why our newsroom has gone out to the streets of Douala to sample the opinions of city dwellers on what they think about the strike action coming up by teachers, and here are their response on Nono Fuchi's microphone. It's very difficult for students today to move like this, and the country is very bad. Students should go to school, things are difficult. I think the teachers should just leave the case and try to go on with the students, because the students need to go to school and it's very important for them and for studies. So that's my point of view. Okay, I think an effort should be done, both sides. There is no reason why children should be delayed in their starting school. At the same time, we know that the government has a number of problems to solve. So I think, to my own understanding, that an effort should be done both sides, be it from the government or from the teachers. This is what we can see. It is a difficult situation for everybody. So we cannot take it as a war. It is a special challenge, not to one person, but to everybody, to both sides. So please, this is what I think. An effort should be done for them to understand, agree on a number of points. Anyone making a small effort, negotiation is accept to lose this step and you accept to lose the other one. That's what I can say for that. It's not that it's too early or too late. The question is, what is to be done so as the children can start their school in time, and at the same time the teachers being interested in one way or the other at a certain level. This is what we can see. I think what is going on now is something really sadful, because people have to return back to school, and it's very important for them to have the great education in order to have the great success. But I think that teachers just have the right, and the government can put and may put all the possibility in order that this situation has to be solved, because we are seeing that it has already delayed, and it's delayed and it's not great. So I hope that it's going to be arranged, because normally I'm not happy about the situation. They have the right, it's a normal strike that they want to engage, but I think the government has to put initiative to solve the problem. La grève, on ne refuse pas, ce n'est pas mauvais, c'est pour revendiquer l'heure du maire qui doit penser que nous, les parents, nous avons nos poches. Quand nous mettons, nous avons envie d'avoir la réussite de nos enfants, qui doivent penser que nous avons nos enfants que nous envoyons dans les écoles, qui doivent un peu essayer de modérer. L'enseignement, c'est un corps de métier comme tous les autres corps de métier. Alors, si un enseignant va à l'école enseigner les enfants, et que dans sa tête, il n'est pas tranquille, il ne va pas mieux faire son cours. Donc il est question que on voit le cas des enseignants d'abord, afin que l'école commence. And we talk the back-to-school euphoria in the southwest region, where the prices of books, bags and other school itineraries have suddenly skyrocketed. Catherine Kone says that parents are willing to buy, but the prices do not match their finances. Her report. The streets of Bamenda in the northwest region of Cameroon is still void of the back-to-school fever a few days to resumption. With different school gadgets littered across store shelves in the Bamenda city main market, only a handful of inhabitants seem to be interested. I'm selling books. This year is not like other years. At least they are buying small, small, even though it's not yet time for books. But with the time, we are just hoping in God, in Elohim, that with the time we will sell books and customer will come. But for now, we are just making promotion for it and we are waiting for customer to come. The books, how the sales of this year is not the same as the other years. To compare the crisis in Cameroon. But the parents are trying their best. They are complying. But you know, Bamenda is a diminute place when they wanted to buy when it is closer. But they are coming. The parents are coming. The financial hardship brought by the crisis and the current inflation experienced in Cameroon is a major roadblock for parents.
about price this year, they have added price more. It's not like other years, they have added price of book. Normally, the product you used to buy, this year they have added the price. Now, you need also to add price to customer too. Well, there is a slight in prices because everything have already increased. Everybody knows. So there is a slight increase in price, but not much. Little leaf last year we sold at 250, 275, but this year is 300. Some people sell 350. So 40 leaf last year we sell at 150, but this year is 200, 175. So there is a slight in the increase of the price. Price day is the same. All book now get price on top. That's what they respect the price they on top the book day. People they come one by one by it over start. Fun, but people don't at the show say you will go. Activities are expected to pick up in the forthcoming days. Boya is not different from Bamenda, as Catherine Kone tells us that the prices of books, bags, and other school items are on a slight increase, and parents are willing to buy. Meanwhile, their pockets might not match what they meet in the market. As the days narrow down to school resumption, the prices of school bags, exercise books, shoes, lunch boxes and other didactic materials sold at the Munya market in Boya, Southwest region, have witnessed an increase this year. The prices this year, they are to keep. Very, very expensive. Everything is expensive. The books, the bags, the pen, in short, everything concerns this year. Very, very expensive. Your parents are not yet settled. Last year was a little bit cheaper. This year, because of the prices, so the parents are still there keen to see if the books will drop down. So we are still managing, we are still going up and down, trying to keep one or two customers. Meanwhile, the day we can come and stay the whole day without selling. It's really expensive, but buyers are not really responding to the price because the price has increased. So when they come, they always only want to buy it at a low price. So it's causing the business, making the business to be slow. Despite the availability of this school stationery in the market, the profit made for each item has dropped. Now, instead of we have about, like, for example, we have 100 francs, now we are having the 50 francs. So, that is why things are still like this. Things are still business is not moving. Several reasons have been given for the sudden increase. The rate of taxation, because I'm sure maybe the way they tax the industry are the reasons why the prices to increase. Because if you increase tax, normally they will increase the prices of that. So they should help us reduce the tax. Vendors of uniforms of all colors on their part are not having it easy with the prices. Actually, there is a slight change. Change is there as compared last year. For who they go buy for bulk, every day they add with the price. We will not get choice, we must see so. Please for customers by going extra mile. Some schools in Cameroon are expecting to reopen their doors on September 5, 2022, and the usual rush for school items in the market is inevitable, as many parents prefer the last-minute buying. De registre, rendre les officiers de police judiciaire à compétence spéciale des services déconcentrés du ministère de la communication aptes au contrôle et à la régulation des activités publicitaires dans leur ressort de compétences. C'est l'objectif que vise un séminaire de renforcement des capacités tenu ce 31 août 2022 ici à Douala sous la coordination de Kizito Ngakak, le directeur des médias privés et de la publicité au ministère de la Communication. Orient Donkin, Inès Pangan, Nono Fautué. Le mois d'août tire à sa fin. Celui-ci annonce septembre, période de rentrée scolaire. Pour attirer les parents d'élèves, les établissements scolaires multiplient les publicités, notamment en présentant les résultats enregistrés au cours de l'année écoulée. Depuis peu, nous assistons également
aux publicités autour des boissons embellissantes, des produits dépigmentants et parfois avec des images obscènes. Mettre un terme à ces dérives, c'est l'objectif d'un séminaire tenu ce 31 août ici à Douala. Les collaborateurs de M. le ministre de la Communication chargés du contrôle des activités publicitaires sur le terrain, les outils en matière de contrôle, effectivement, leur donner les moyens intellectuels de pouvoir mener leurs activités sur le terrain dans le strict respect de la législation en matière de publicité. Ces collaborateurs sont des officiers de police judiciaire à compétence spéciale. Ils sont assermentés, sont donc appelés à faire des constats sur le terrain, à élaborer des procès verbaux et également à engager le cas échéant sous la responsabilité du procureur de la République d'éventuelles poursuites judiciaires contre ceux qui contreviendraient aux dispositions de la loi sur la publicité. Les travaux sont placés sous le thème « Rôle et défis des officiers de police judiciaire à compétence spéciale » dans la régulation du secteur de la publicité au Cameroun, cas de la région du littoral. Ils sont organisés en partenariat avec l'Organisation nationale des agences au conseil en publicité, ONAC Pub. Le principal entorse, c'est qu'il y a très peu qui connaissent leurs obligations lorsqu'ils s'engagent à créer de la publicité. La publicité doit commencer par une agence de communication. Lorsqu'on a vu une affiche ou un spot qui passe, le point de départ, c'est l'agence de communication. C'est à cet endroit que l'on crée la publicité. Et la loi a encadré cette activité. Il y a beaucoup de personnes qui refusent de respecter les exigences de cette loi, qui a 71 articles. Et dans les 111 articles, il y a plus de 35% qui donnent des informations sur le contrôle administratif et l'extension pénale qui encadre la loi. Donc j'estime qu'il était nécessaire que nous ayons ce genre de rencontre pour permettre à ce que nous puissions prêter main forte aux officiers de police judiciaire à compétence spéciale pour qu'ils puissent faire leur travail, pour qu'ils puissent amener les gens à respecter la loi. Il s'agit de cela. Il faut que les gens respectent la loi. Élaboré par la délégation régionale de la communication du littoral, le séminaire va faire des délégués départementaux du Vouri, Mungo, Kam et Sanaga Maritime de véritables gendarmes des activités publicitaires. Révision des listes électorales, plus de 50 000 nouveaux inscrits sont enregistrés dans les fichiers de Elections Cameroun en 2022. Une augmentation en comparaison à 2021 qui fait passer le nombre d'électeurs à plus de 7 millions d'inscrits. Révélation faite à quelques heures de la clôture des opérations de révision du fichier électoral par le directeur général des élections, Eric Essoussien, dans le cadre d'une tournée de travail dans la ville de Douala. Le processus s'achève, vous le savez certainement, à minuit, ce jour même. Inès Pangan, Nono Fautué. Plus de 50 000 nouveaux inscrits en 2022. C'est ce qui est marqué sur le compteur d'Elections Cameroun à quelques heures de la clôture des opérations de révision électorale pour l'année 2022. Les premiers chiffres qui me sont parvenus montrent que nous avons fait mieux que l'an passé. Un progrès qui est très significatif, n'est-ce pas, qui est quand même plus de 50 000 inscrits par rapport à l'an passé. Donc c'est très bon. Les potentiels électeurs ont jusqu'à minuit pour se faire enregistrer dans les fichiers d'Elecam. En attendant les retardataires, les chiffres de l'année 2022 connaissent une augmentation en comparaison à 2021, alors évalué à 7 millions, une année négativement marquée par la Covid-19. Au plan national, je pense que nous sommes déjà au-delà de 7 millions. Et comme j'aime dire, le plus important, c'est d'inscrire les personnes qui doivent être inscrites, pas n'importe qui. On ne fait pas du tout venant. On prend les gens qui peuvent s'inscrire légalement selon la loi. Et la loi dit que c'est à partir de 20 ans. La campagne de révision cette année est freinée par des problèmes de logistique dans plusieurs agences d'Elecam. La technologie a souvent ces problèmes que nous devons résoudre. Mais nous pensons que malgré les difficultés technologiques et techniques, nous avons des techniciens qui travaillent pour que notre matériel soit au point. Mais on va continuer à travailler pour améliorer les performances techniques. À quelques heures de l'arrêt des opérations de 2022, le directeur général des élections fait une tournée dans la ville de Douala. C'est ce 31 août, sous une pluie battante, dans un point d'enregistrement au carrefour d'Okoti, à l'antenne communale d'Elecam de Douala 2e et au siège régional d'Elecam pour le littoral.
Le bilan des opérations sera connu lors d'un point de presse prévu le 1er septembre 2022 à la délégation régionale d'élections Cameroun pour le littoral. À l'étranger à présent, au Mali, la société civile s'inquiète du retard dans l'installation de l'organe chargé de superviser les élections. Inquiétude exprimée à travers la coalition pour l'observation des élections, qui en fait réunit plusieurs organisations de la société civile. Plusieurs milliers de déplacés, dont des mineurs, sont localisés dans la région frontalière avec le Niger. Ils fuient des combats entre djihadistes et l'armée. Frappe aérienne, cette fois-ci dans la capitale du Tigré, dont les rebelles font face à l'armée égyptienne. Et puis enfin au Soudan, des journalistes créent un syndicat. Une première depuis le départ forcé du pouvoir de Omar El-Béchir en 1989. Reportage, la mouture de nos confrères de la Voix d'Amérique. La coalition pour l'observation citoyenne des élections au Mali, COCEM, une importante plateforme composée d'organisations de la société civile, s'est inquiétée mercredi du retard dans l'installation de l'organe nouvellement créé par les autorités de transition pour la gestion des scrutins dans ce pays après deux coups d'État. Plus de 65 000 personnes, dont 47 000 mineurs, sont arrivées à Ménaka, dans la région frontalière avec le Niger, selon les autorités dans la région. Ces déplacés fuient les combats incessants, mettant aux prises djihadistes et groupes armés, a indiqué un responsable local. La région est aussi livrée au banditisme et au trafic. En Éthiopie, la capitale de la région du Tigré, dans le nord, a été touchée par une frappe aérienne dans la nuit de mardi à mercredi, ont déclaré des rebelles du Tigré et des responsables de l'hôpital. C'est la dernière attaque de ce type signalée en quelques jours, seulement après 5 mois de trêve. Au Soudan, pour la première fois depuis le coup d'État d'Omar El-Béchir en 1989, les journalistes ont un syndicat indépendant pour défendre une profession violemment réprimée sous la dictature déchue et qui doit aujourd'hui composer avec un pouvoir militaire issu d'un nouveau putsch. Prenons cette note avant de refermer le journal. Après la dissolution de la Ligue de football professionnel par l'Assemblée générale de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, fils du président, nomme de nouveaux responsables, cette fois-ci dans le conseil transitoire du football professionnel. Il s'agit de l'instance qui désormais va remplacer donc la LFPC. Les responsables nommés sont Bojiko Yokeka Pierre, le président, André Noël Essien, premier vice-président, Belamoki Charles, deuxième vice-président, le secrétaire général Faustin Blaise Bida, et puis les membres André Marie Kouaché, Marthe Moha, Jean-Paul Akono, Félix Elouga, Abdoul Karimou. Dans la même lignée, dans une autre décision signée aujourd'hui, Pierre Aimé Makembe est nommé chargé de la sécurité au sein du staff des Lions Indomptables à prime de football du Cameroun. Ce sont donc des décisions de Samuel Eto'o, fils, le président de la FECAFOOT. Le journal s'achève. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous demain, 20h, pour une autre édition du journal bilingue sur cette antenne. Soyez aussi heureux que cela est possible. Bonsoir, Joséphine Binzi. Good night to you, Dipita. Good night to you. Thanks for watching. See you tomorrow, same time, 8 p.m.